j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la triste disparition de Lars Mittank. Dans cette vidéo, il y aura l'interview du détective privé ainsi que de nouvelles pistes et d'autres témoignages. Pour cette vidéo, je serai en collaboration avec la chaîne Lily911 ainsi que la chaîne de Elgil. En Allemagne, plus de 10 000 personnes sont généralement portées disparues à un moment donné. Au 1er mars 2020, l'Office fédéral de la police criminelle comptait 11 500 cas de personnes disparues. 200 à 300 nouveaux cas sont ajoutés quotidiennement, tandis que de nombreux cas résolus sont supprimés. Lars Joachim Mittank est né le 19 février 1986. La famille habite à Itzebo, qui est en fait la capitale du district de Steinberg, dans le nord de l'Allemagne. C'est une petite ville par rapport aux grandes villes du centre-nord de l'Europe, avec environ 30 000 habitants. C'est un endroit très calme, à part le premier week-end d'août. À cette date, il y a le Wacken Open Air, un festival d'heavy metal organisé à Wacken, près de la ville. C'est un grand événement et des navettes sont affrétées à Itzebo jusqu'à Wacken. Lars se faisait facilement des amis étant petit et il était donc très sociable. C'était un bon élève. Lars était un amoureux des activités en plein air, comme la pêche et la plongée. Il adorait partir en excursion le week-end avec ses camarades de classe. Ces excursions se déroulaient quelquefois en dehors du pays. Il avait soif de voyage. Il était également supporter d'une équipe de foot, le Werder Bremen, qui était un club de sa ville natale. L'équipe est plutôt bonne, même si ce n'est pas la meilleure du pays. Il les soutenait malgré tout, restant fidèle à ses couleurs. Il essayait d'assister à tous leurs matchs, mais il se consacra beaucoup à ses études d'ingénieur, se plonger dans ses manuels pour réussir. Il était assidu. Il a renoncé au cursus universitaire habituel de 4 ans et a donc suivi la trace d'un métier spécifique en suivant des cours complémentaires et avancés. Il voulait devenir opérateur de centrale électrique dans une centrale au charbon. Il devient le meilleur élève de ses cours et a trouvé un emploi aux centrales électriques de Wilhelmshaven. Ce travail l'a obligé à déménager à 150 km de sa famille et de ses amis. Mais il garde contact avec eux régulièrement, ne souhaitant pas couper le contact. Il tenait beaucoup à ses relations familiales et amicales. Mais le père de Lars fait un accident cardiovasculaire en 2012. Il rentre alors à Itzebo le week-end pour aider sa mère Sandra à s'occuper de son père. Il sacrifia les sorties avec ses amis et des week-ends pour son père. Il pensait toujours aux autres. Au-delà de la maladie de son père, la vie de Lars continue sans problème majeur. Il entretenait une liaison avec une femme depuis des années. Tout se passait sans problème jusqu'à ce qu'il décide de partir en Bulgarie avec des amis. On est en début de l'été 2014. Lars a besoin de vacances pour échapper au stress du travail et se ressourcer avec l'énergie qu'il a également mis pour aider son père. Avec ses amis, il décide de partir à Varna, en Bulgarie. C'est une ville au bord de la mer Noire. Ça fait un petit peu penser à Ibiza. C'est un lieu très touristique qui demande moins de budget que le fameux Ibiza. Ce n'est pas dans les habitudes de Lars de partir si loin, mais il décide de sauter sur l'occasion. D'ailleurs, sa mère déclarera plus tard qu'elle était surprise de ce genre de voyage et que son fils ne lui en avait pas parlé. Après tout, pourquoi ne pas tenter de nouvelles aventures? Le 30 juin, Lars et ses amis s'envolent pour leur destination et s'enregistrent à l'hôtel Viva. C'est un hôtel 4 étoiles avec une belle piscine extérieure et les amis ont opté pour une option hall inclusive, ce qui leur permet d'avoir tout à volonté. Pendant leur séjour, Lars se sépare de ses amis pour jouer au foot avec un groupe de diplômés du secondaire sur la plage. Pendant ce temps, ses amis sont restés à l'hôtel se détendre pour profiter de la piscine et faire la fête. Lars aime l'activité sportive et ne se voyait pas pavaner au bord de la piscine. Il est apprécié par les autres joueurs, le jugeant agréable. Paul Rohrmann, un des amis à Lars avec lui cette semaine, déclare à la télévision allemande « Nous sommes relaxés sur la plage, avons nagé dans la piscine, joué au football
Nous sommes allés en boîte. Lars était détendu, de bonne humeur. Un autre ami, Tim Schuld, a déclaré que Lars ne mangeait pas beaucoup et qu'il ne mangeait qu'un petit bol de soupe ou une petite salade à la fois. C'est vrai que ça fait pas beaucoup pour une formule all-inclusive. À part ce détail, les amis n'ont rien remarqué d'anormal dans le comportement de Lars. Tout se passe plutôt bien pour Lars et ses amis, jusqu'au 6 juillet 2014. Ce soir-là, Lars et ses amis vont boire un verre au Rock Bar. Le Rock Bar se trouve au bord de la plage à 700 mètres de leur hôtel. Pendant la soirée, une altercation éclate entre Lars et d'autres touristes. La dispute est une simple rivalité sportive. Lars est fan du club de foot Werder Bremen et les autres touristes sont des supporters du Bayern Munich. De simples insultes sont échangées, ils n'en viennent pas aux mains. Plus tard dans la soirée, Lars et ses amis repartent vers leur hôtel. Sur le chemin, le groupe s'arrête au McDonald's. N'ayant pas faim, Lars attend ses amis à l'extérieur. Mais lorsque ses amis ressortent avec leur repas à emporter, Lars n'est plus là. Les amis attendent un petit moment et présumant que Lars est sûrement rentré à l'hôtel, ils font la même chose. Mais en rentrant, ils découvrent que Lars n'est pas là. Lars rentre à l'hôtel que le lendemain matin, le lundi 7 juillet. Il dit à ses amis que 4 individus, des locaux ou des Russes, l'ont attaqué et que c'est les fans du Bayern Munich avec qui il s'était disputé au Rockbar qui les ont engagés pour l'attaquer. Ses amis ne savent pas trop quoi penser de cette histoire, mais Lars s'est blessé à une oreille et à la mâchoire. Ses amis l'emmènent consulter un médecin du coin, docteur Boris Nadjeno, qui lui diagnostique un tympan perforé qui nécessite une opération. Mais Lars ne veut pas avoir une opération en Bulgarie, n'ayant pas trop confiance au système de santé bulgare. Comme il doit rentrer en Allemagne le lendemain, il préfère attendre et d'être soigné dans son pays. Mais le médecin déconseille à Lars de prendre l'avion avec le tympan perforé, car les oreilles en haute altitude sont plus sensibles aux pressions atmosphériques. Lars prend la décision d'attendre. Ses amis proposent de rester avec lui, mais il leur dit que ce n'est pas la peine. Ses amis partent donc à l'aéroport sans lui. Après le départ de ses amis, Lars va à la pharmacie pour prendre l'antibiotique que le médecin lui a prescrit, du céphuroxine à 500 mg. Il cherche ensuite un nouvel hôtel comme il ne peut pas rester au Viva Club. Il choisit l'hôtel Color qui est à 8 km de l'aéroport de Varna et qui est pas cher. Dans la soirée du lundi, Lars agit étrangement. Il appelle sa mère à 23h50, complètement effrayé. Il lui dit de contacter sa banque afin qu'elle bloque ses comptes. Il est filmé aussi par les caméras de l'hôtel regardant par les fenêtres, déambulant dans les couloirs et se cachant dans l'ascenseur. Vers 1h du matin, Lars est filmé en train de partir de l'hôtel pour revenir un peu plus tard. À 3h du matin, Lars rappelle sa mère pour lui dire qu'il était en train de se cacher, car 4 hommes veulent le tuer. Il lui dit d'ailleurs que le médecin qui l'a consulté s'était a priori moqué de lui et l'avait renvoyé en riant. Il lui demande également d'appeler l'assurance maladie étrangère, car il voulait être amené chez lui avec un transport de patients. Suite à cet appel, sa mère avait réussi à obtenir un numéro de dossier en faisant les démarches. Ensuite, il contacte à nouveau sa mère pour lui demander ce que signifie CFC-500. C'est l'abréviation de céphuroxine 500 mg. Il était très méfiant avec ce médicament. Vers 6h du matin, Lars quitte l'hôtel avec ses affaires et prend un taxi avec d'autres touristes pour l'aéroport. D'ailleurs, les touristes remarquent qu'il a les pupilles dilatées. Une fois arrivé à l'aéroport, Lars recontacte sa mère pour lui dire qu'il est bien arrivé pour prendre son avion. Elle lui conseille de consulter le médecin de l'aéroport avant d'embarquer. Avant de suivre les conseils de sa mère, on saura par l'enquêteur privé que Lars ira se chercher à manger.
A priori, ce serait un sandwich. Par la suite, il ira aux toilettes pour se laver les mains et la figure. Il y restera un petit moment. Tout son trajet a été filmé par les vidéos de surveillance. Il se reposera un moment sur un banc à l'aéroport. Par la suite, par rapport aux vidéos de surveillance, nous voyons Lars demander son chemin à une jeune fille. Et il arrivera devant le cabinet du médecin. Lars suit donc les conseils de sa mère et part voir un médecin dans l'aéroport. La zone de l'aéroport était quasiment déserte. Ce qui suit met à jour ce qui s'est passé dans le cabinet du médecin, le docteur Kosta Kostov. C'est précisément la reconstitution des événements sur la base du témoignage du médecin et des appels de Sandra Mitang. Voici le témoignage du médecin. Il dira que Lars était dans une situation extrêmement stressante quand il est entré dans son cabinet. Comme s'il était suivi ou qu'il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Quand soudain, un homme en uniforme de l'aéroport est entré dans le bureau. C'est là, comme le déclara le docteur Kosta Kostov, que Lars s'est mis à trembler et a commencé à pleurer. Il criera dans le cabinet, je cite, « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». C'est là que Lars s'est levé de sa chaise sur laquelle il était assis. Il a laissé son portefeuille, son téléphone portable, son passeport et ses bagages au cabinet du médecin, a quitté la pièce et a couru hors du terminal et à travers son parvis. Une caméra de sécurité l'a filmé en train d'escalader une clôture. Ce fut la dernière observation confirmée de Lars. Il faut spécifier que le médecin a changé 3 fois son témoignage au cours de l'enquête. Au début, il dira que c'est un employé de la compagnie aérienne qui est entré et que Lars avait son vol à 16h20. Pourtant, il devait avoir que 9 heures de vol. Pourquoi quelqu'un viendrait aussitôt à l'aéroport avant son vol? Tandis que sa mère avait réservé son vol plus tôt. Pourquoi un employé de l'aéroport rentrerait-il comme ça dans le cabinet d'un médecin sans frapper à la porte? Et surtout, pour quelle raison? Il dira par la suite que la personne qui est entrée, il ne savait pas qui elle était. Et sa troisième version, il n'y avait personne. Il a confondu les heures avec un autre patient. Étranges ces 3 versions, beaucoup de contradictions. De plus, les déclarations du médecin ne peuvent pas être vérifiées car il n'y avait pas de caméra de surveillance dans le cabinet. À l'entrée de la salle de consultation, c'est un angle mort, donc impossible que la caméra puisse filmer. Son sac de voyage, sa carte d'identité, passeport, son sac à dos ainsi que son téléphone portable sont restés sur place. Revenons un instant sur les images des vidéos de surveillance. Lars court dans le hall de l'aéroport, vers la sortie. À l'extérieur, il sera également filmé par d'autres caméras de surveillance. On voit Lars sortir du terminal. Il traverse le parking. Ensuite, on voit Lars s'éloigner le long d'une route, puis partir dans un champ en sautant par-dessus un grillage barbelé. Détail mentionné par l'enquêteur privé et des témoins, et disparaître dans un champ. Après, il avait le choix de partir en direction de la Highway Emus, une autoroute, ou sur un chemin qui longe l'aéroport. Malheureusement, personne ne sait, à ce jour, ce qui a pu arriver à Lars par la suite. En fin de journée, sa mère, n'ayant pas de nouvelles de Lars, déclarera sa disparition à la police allemande et bulgare et à l'ambassade. Des avis de recherche seront lancés dans toute l'Europe, dans différentes langues. La police commencera leurs recherches à Varna et dans les environs. Malheureusement, suite à ces recherches, rien ne sera retrouvé. Sa disparition reste un mystère. La maman de Lars engagera un détective et un avocat basé à Varna. Je vais vous faire écouter le témoignage de l'enquêteur privé Andreas Gutting. Il a eu la gentillesse de répondre à quelques questions. Sachant que son témoignage est en allemand, donc il va y avoir 2 parties. La première partie, je vous laisse écouter le détective privé avec les sous-titres.
bien sûr, en traduction, c'est plus simple. Et par la suite, pour que ça soit peut-être plus simple pour certains d'entre vous, je lirai toute la traduction. Je tenais à remercier mon père qui m'a permis de faire cette entrevue. Un grand merci de m'avoir servi de traducteur. Groß drum herum, sondern fange einfach mal direkt an. Welche Ermittlungen habt ihr unternommen? Im Fall Lars Mittag haben wir meiner Meinung nach alles nur erdenkliche Mögliche unternommen. Wir haben das gesamte Gebiet um den Flughafen drumherum in alle Himmelsrichtungen weiträumig zu Fuß mit dem Flugzeug und mit einer Drohne mit Wärmebildkamera komplett abgesucht. Wir haben knapp über 100 Leute zusammengetrommelt, die ähnlich wie eine Hundertschaft bei der Polizei dieses Gelände Stück für Stück für Stück durchstreift haben, immer miteinander in Kontakt gestanden haben, um dann wirklich zu klären, ist da irgendwo im Waldgebiet auch eine selbstgebaute Hütte, eine Erdhöhle, wo man sich drin verkriechen kann und so weiter. Wir haben einen Hund dazu geholt, der Spuren des Menschen aufnimmt, und dieser hat an einer Jacke von Lars gerochen und hat daraufhin auch die Suche aufgenommen. Er hat auch Spuren gefunden, so wie man es dann deutet. Er hat dann seine Richtung angegeben, ist der Richtung auch gefolgt. Aber diese Spur ist dort an einem gewissen Punkt einfach abgebrochen. Es wurden von uns Lautsprecherdurchsagen in diesem Waldgebiet ausgestrahlt. Wir haben auf, so blöd es klingt, eigene Art und Weise eine Soundanlage in ein Auto gebaut, haben uns Lautsprecher außen an das Auto angebracht und sind mit einer Durchsage von Sandra Mittank durch diesen Wald gefahren, über die Hauptstraßen, über die Schleichwege und haben sie dort nach Lars rufen lassen. Dass Lars doch bitte an die Straße kommen möchte, dass er einfach vielleicht auch, selbst wenn er sich nicht mehr erinnern kann, sich an diese Stimme zurückerinnert. Dass ihm diese Stimme bekannt vorkommt oder dass ihn diese Stimme vielleicht sogar magnetisch anzieht und er ihr entgegenläuft. Das sind nur wenige Punkte, die wir gemacht haben. Und mittlerweile, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fallen uns immer mehr neue Dinge ein, die wir machen, wo wir eine Idee kriegen, wo wir die Umsetzung planen und diese dann auch tatsächlich umsetzen. Selbst bei mir, der jetzt 6 Jahre in diesem Fall aktiv ist, ist es so, dass ich Tag und Nacht, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich privat unterwegs bin, alle Eindrücke, die mir in den Kopf kommen, alle Ideen, die mir kommen, dann im Nachhinein mit Sandra bespreche und sie frage, was denkst du, ist das eine Möglichkeit, wie wir es machen könnten, wie wir einen Schritt weitergehen könnten? Ich halte mit Sandra wirklich täglich Kontakt, um auch wirklich zu gucken, dass es, wenn es Erneuerungen gibt oder wenn es neue Ansätze gibt, dass wir die auch sofort besprechen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise viel Zeit vergeht, dass man direkt darauf eingeht und vielleicht auch innerhalb der nächsten 24 Stunden sofort tätig wird und diese Idee dann umsetzt. Kannst du vielleicht nochmal genauer auch erzählen, wie das mit denen, also du hast im Vorgespräch erzählt, dass die Plakate, die ihr anfangs aufgehangen habt in Warna selbst, dass die auch abgehangen wurden. Warum wurden die abgehangen? Also die ersten Plakate, die jemals gedruckt wurden für die Suche nach Lars, ähnelten sehr den Sterbeanzeigen, die Bulgaren aufhängen, wenn jemand gestorben ist im Dorf. Daraufhin haben wir unsere Plakate abgeändert und angepasst und diese Anpassung haben wir dann dort an Bäume gepinnt, an Laternen, an Häuser, wenn es möglich war. Und im Nachhinein wurden wir angesprochen von der Polizei und von der Stadt Warna, dass wir doch bitte diese Dinger sofort abhängen sollen, weil wir sonst eine Anzeige bekommen aufgrund der Umweltverschmutzung. Und dann konnten wir nur noch andere Wege suchen und durften nicht mehr öffentlich plakatieren und sind dann auf Geschichten gegangen wie Werbung in Taxen. Weil jedes Taxi in Bulgarien hat ein Tablet drin, worüber sie navigieren, worüber sie ihren Taxometer laufen lassen. Und dort sind wir dann beigegangen und haben dort Werbung geschaltet, mit einem Flyer auf Bulgarisch für die Suche nach Lars. Wir haben alle TV-Sender, die in irgendeiner Art und Weise Interesse hatten,
bedient, wir haben jeden Fernsehsender, jeden Radiosender bedient. Wir sind selbst hingefahren, haben die angesprochen, wenn kein Interesse bestand, dann konnte man da nicht viel daran ändern. Wir haben jede Zeitung, die in irgendeiner Art und Weise mit reinkam, ebenso bedient, dass es wirklich so weit gestreut werden konnte, wie es nur ging. Aber wir haben auch da gemerkt, egal wie weit wir an die Stadt reingekommen sind oder egal wie fern wir da weggegangen sind, da gibt es immer noch Personen, die nie was von dem Fall von Lars gehört haben, weil die halt auch medial nicht erreichbar sind. Nicht über Fernsehen, nicht über Internet und nicht über Telefon. Also selbst über Smartphone-Geschichten ist es tatsächlich so, dass dort einige Leute nie was vom Fall Lars Winter gehört haben. Und das passiert uns auch in Deutschland, wenn wir Leute in Deutschland ansprechen, dass zum Beispiel auch noch eine Zeitung in Deutschland einen Bericht bringt. Es gibt immer noch Leute, die von dem Fall nie was gehört haben. Kannst du vielleicht gerade auch in dem Zusammenhang einmal auf die Vorwürfe eingehen, dass Sandra Mitzank nicht genug ermittelt haben soll in dem Fall, selber geholfen haben soll? Einfach, das haben wir ja im Vorhinein auch besprochen, dass wir einfach diese ganzen Vorwürfe auch mal zum Verstummen bringen. Also du warst ja dabei. Du kannst ja bezeugen, dass Sandra da mehr als mitgeholfen hat. Also Sandra Mitzank war mit mir und genauso mit meinen Kollegen in der ganzen Zeit mehrfach zusammen in Bulgarien. Ab einem ganz bestimmten Punkt konnte sie aber nicht mehr in Bulgarien aktiv werden, weil wir sie auch einfach schützen müssen und mussten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Sandra aus Bulgarien rauszuhalten. Aber aus der Ferne, per Internet, per Telefon, hat sie so viel geholfen, wie es nur ging. Und dass man ihr vorwirft, dass sie nicht genug getan hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Danke schon mal dafür. Also, dass die Vorwürfe haltlos sind, das sollte eigentlich jeder wissen, der sich genau mit dem Fall beschäftigt. Aber einfach für die Leute, die es nicht verstehen wollen, einfach nochmal klipp und klar, wollte ich das nochmal abklären. Kannst du vielleicht auch gerade bezüglich der Ermittlungen nochmal darauf eingehen, inwiefern die bulgarische Polizei mit euch zusammengearbeitet hat? Die bulgarische Polizei hat mit uns gar nicht gearbeitet. Also das muss ich ganz klar so sagen. Wir haben unsere eigenen Ermittlungen geführt und die Bulgaren haben für sich ihre eigenen Ermittlungen geführt. Läuft nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass wenn ich Hinweise habe, dann gebe ich die an die Polizei weiter und die Polizei wird tätig. Manchmal mag man zwar sagen, es dauert eben bei der deutschen Polizei, aber in Bulgarien haben wir festgestellt, dass dort einfach gar nichts gemacht wird. In Bulgarien ist der Fall auch noch lange nicht geschlossen, weil in Bulgarien gibt es ein Gesetz, das besagt, ist eine Person vermisst und wird sie nicht lebend oder tot gefunden, muss dieser Fall offen bleiben. Und die Bulgaren sind an sich auch interessiert daran, dass diese ganze Sache aufgeklärt wird. Aber durch die begrenzten Mittel und auch durch die große Reichweite der Umgebung, wo er hätte sein können, hat die bulgarische Polizei aber gar nichts gemacht. Also ich habe von einer aktiven Arbeit, außer dass der nette Herr am Schreibtisch gesessen hat und Sandra befragt hat, nichts mitbekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise aktiv gesucht haben. Der Arzt, der dort Lars untersucht hat am Flughafen, hat in mehreren Befragungen verschiedene Aussagen getroffen, dass dort jemand reingekommen sein soll, der Lars in Anführungsstrichen wohl aufgeschreckt hat. Also er hat nur die Tür geöffnet oder soll die Tür geöffnet haben, kurz reingeguckt haben, was auf Bulgarisch gesagt haben, die Tür wieder zu und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Und wenig später ist Lars dann wohl losgerannt. Diese Aussage des Arztes können wir nicht belegen, da diese Aufnahmen, wo man eigentlich hätte sehen können, dass dort jemand ins Zimmer geht, vom Flughafen bzw. den Flughafenbetreibern, vom Sicherheitsdienst des Flughafens gelöscht wurde. Selbst wenige Tage später, als Sandra sich die Aufnahmen angeguckt hat, waren diese Aufnahmen schon gelöscht. Der bulgarischen Polizei, genauso wie der deutschen Polizei, wurde nur Material gegeben, wo Lars kurz drauf zu sehen ist. Also er läuft ins Bild, er läuft aus dem Bild raus und so weiter. Wir wissen aber, Lars ist schon weit vorher am Flughafen gewesen. Lars hat sich am Flughafen was zu essen gekauft.
Lars hat sich am Flughafen das Gesicht gewaschen und hat sich frisch gemacht. Davon hätten überall Aufnahmen existieren müssen. Diese Aufnahmen sind aber weg. Und dass der Arzt wirklich die Wahrheit spricht, dass dort jemand ins Zimmer gekommen ist, das kann ich nicht bestätigen. Und es basiert nur auf den Aussagen dieses Arztes. Und wie viel ich dem Arzt Glauben schenke, kann man sich an drei Fingern abzählen, nämlich gar nicht. Also zu dem Hotel muss man ganz klar sagen, ich persönlich, auch wenn ich schon in vielen schlimmen Hotels geschlafen habe, ich würde in diesem Hotel nicht freiwillig schlafen wollen. Man kommt in dieses Hotel rein und es ist einfach meiner Meinung nach sehr ungemütlich. Und dann kommt noch hinzu, dass man dort auch klar als Tourist zu erkennen ist in dieser Region. Denn in dieser Region, man braucht die Straße nur hochlaufen vom Hotel weg, auf die nächste Hauptstraße, kommt man auf der einen Seite in ein großes Gypsy-Zigeunerviertel. Das sind wenige hundert Meter. Und auf der anderen Seite kommt man zu 4 oder 6 riesengroßen Mehrfamilienhäusern, wo Tag und Nacht immer irgendjemand unterwegs ist. Wo man wirklich auch wirklich Tag und Nacht jemanden antreffen kann, weil teilweise die Läden dort auch Tag und Nacht aufhaben. Das Hotel an sich habe ich insoweit kontrolliert, dass ich wirklich reingegangen bin und unter einem Vorwand mir die Zimmer dort angeschaut habe. Wir haben vorgegeben, wir möchten uns da einbuchen, weil wir unseren Flug nicht gekriegt haben, so ein billiges Hotel. Da wurde uns dann erzählt, ja, wir haben noch einige Zimmer frei, bitte am Schlüssel zum 3. Stock, da können Sie sich mal ein Zimmer angucken. Da war es dann so, dass ich dadurch, dass mein Kollege unten an der Bar gestanden hat und sich eine Cola bestellt hat, während der Wartezeit ich selbst deren Gespräch im 3. Stock im Badezimmer und auch bei geöffneter Badezimmertür im Schlafzimmer hören konnte. Dieses Hotel ist so hellhörig, dass ich ihm theoretisch gesehen auch hätte runterrufen können. Das hätte er gehört. Und ich habe alles gehört, was die beiden miteinander besprochen haben. Dementsprechend, das Hotel ist sehr, sehr hellhörig, meiner Meinung nach nicht sauber. Und das dann unter den Gesichtspunkten, dass Lars dort bezahlt hat und dann anschließend seine Kreditkarte kopiert wurde, mit einer Art Blaupause, da kann ich dann super nachvollziehen, dass Lars gesagt hat, Mama, sperre meine Kreditkarte. Ich habe hier betreffend meiner Kreditkarte ein komisches Gefühl. Sperre diese bitte. Okay, ja, danke dir schon mal dafür. Damit das hier auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengt, könntest du vielleicht was zum gesundheitlichen Zustand von Lars sagen? Was glaubst du? Also ich hatte in der Doku schon angeteasert, dass du eine bestimmte Theorie zu Lars Gesundheitszustand hast. Kannst du das vielleicht elaborieren? Also wie du dazu stehst, was deine Theorie ist? Ich muss erstmal ganz klar sagen, solange wir Lars nicht tot gefunden haben, lebt er für mich und ich suche nach einem Lebenden. Das ist für mich ein ganz klarer Punkt, weil wenn ich nach einem Toten suche, habe ich dann zu einem gewissen Teil schon aufgegeben. Und das werde ich nicht zulassen, das möchte auch die Familie nicht. Und das muss man auch als Nichtangehöriger und auch als Beobachter der Seite einfach verstehen. Das machen, blödes Beispiel, auch Personen, die ihre Katze oder ihren Hund suchen. Die suchen auch nicht nach einem toten Hund oder nach einer toten Katze, die im Graben liegt, sondern die suchen aktiv nach einem lebenden Tier. So machen wir das auch. Wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und wenn man dort in dem Fall dann auf den Toten stößt, dann ist es so. Dann ist es aber immer noch eine bessere Antwort und man hat dort dann halt auch eben die Gewissheit, man muss nicht mehr weitersuchen. Aber wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und das wird auch so bleiben, egal wie viele Leute sich dagegen stellen wollen oder wie viele Leute im Nachhinein sagen, ja, such doch lieber nach einem Toten oder hör auf zu suchen, weil diese Vorwürfe kommen auf. Das wollen wir nicht und das werden wir auch nicht tun. Das werde ich als Ermittler auch nicht tun. Betreffend der Gesundheit von Lars bin ich klar der Meinung, dass er das Urvertrauen in den Menschen verloren hat, weil ihm das am Goldstrand passiert ist. Und dadurch und in Kombination mit den Tabletten, die nachweislich Halluzinationen auslösen sollen, in einer retrograden Amnesie gefallen sein kann.
Das heißt, er kann vergessen haben, er heißt Lars, wo er herkommt und so weiter, hat aber immer noch die Fertigkeiten, sprich, er kann, was sein Beruf typisch ist, er kann schweißen, er weiß, wo welches Kabel hingehört und solche Geschichten. Also handwerkliche Fähigkeiten bleiben meistens erhalten, aber so personenbezogene Geschichten verschwinden. Ich habe mit einigen Ärzten gesprochen, auch einem Facharzt aus der Charité in Berlin, und dieser ist der Meinung, dass es tatsächlich durch diesen Schlag aufs Ohr zu einem Blutgerinnsel im Kopf gekommen sein kann, der eine retrograde Amnesie auslöst. In dem Fall, dass Lars sich dann in irgendeiner Art und Weise aufregt, dass er einen Adrenalinschub kriegt und so weiter, schwillt das Gehirn an, weil der Puls sich erhöht. Und dadurch wird die retrograde Amnesie immer wieder auf den Ursprung, sage ich jetzt mal, zurückgeführt. Dass der Körper dann gar keine Kraft hat, in dem Moment sich zu erholen, sondern er immer noch in diesem Tunnel drinsteckt. Es gibt irgendwann einen Auslöser, der ihn wieder aus diesem Tunnel rauskatapultiert. Aber da weiß man halt nicht, was ist der Auslöser. Es gibt den Fall eines Amerikaners, der hat mit 16 Jahren einen Unfall gehabt, hat dann alles vergessen, was er in den 16 Jahren zuvor erlebt hat und ist dann in sein komplett neues Leben gestartet. Er hat eine Frau, er hatte zwei Kinder, hat alles super gehabt und 51 Jahre später hatte er einen Autounfall und dieser Autounfall hat diese Bremse oder diese Sperre im Kopf gelöst und plötzlich konnte er sich nur noch an seine 16 Jahre erinnern und nicht mehr an das Leben, was er dann schon viel länger geführt hat. Der Rest war dann wieder ausgelöscht und dann musste ihm das mühevoll wieder beibringen. Und da sind so die Punkte, wo dann jemand sagt, ja, aber es kann ja nicht ewig dauern. Solche Sachen können schon länger dauern, wenn es nicht diesen sogenannten Reizpunkt, diesen sogenannten Punkt gibt, was ihn dann wieder zurückschießen kann. Und letztendlich wissen wir nicht, was es ist und dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir ihn vorher finden oder dass er tatsächlich diesen Reizpunkt kriegt und er dadurch dann wieder nach Hause findet. Du sprichst den Punkt schon an, finden. Was kannst du den Zuschauern denn mit auf den Weg geben? Also was, wo könnte er sich befinden? Wo sollten sie die Augen offen halten? Am besten natürlich überall. Einfach mal Worte zum Schluss hin. Am besten kann jeder, der uns helfen möchte, die Augen aufhalten und seine Umgebung gut im Auge behalten. Sprich, wenn dort ein Obdachloser, Beispiel Düsseldorf, gesehen wird, der Lars sein könnte, dann macht bitte gute Fotos, merkt euch gut den Standort und sendet uns das. Wir wollen nicht jeden Obdachlosen oder jeden, der in irgendeiner Art und Weise lange Haare hat und man badert, gleich über einen Kamm scheren und sagen, das könnte Lars sein. Aber jeder, der uns nicht gemeldet wird, ist einer zu wenig. Jeder, der uns gemeldet wird, selbst wenn er noch so weit entfernt ist, ist für uns ein Punkt, wo wir sagen können, das ist nicht Lars. So viele, die obdachlos sind, die aufgrund der Haarfarbe und aufgrund des Bartwuchses und des Haarwuchses der Beschreibung von Lars entsprechen könnten. Weil ein Bart verbirgt sehr, sehr viel vom eigentlichen Gesicht. Lange Haare verbergen viele andere Punkte vom Gesicht. Und wenn dann, wie in Düsseldorf oder wie aktuell auch noch anderen Städten und Dörfern aus Deutschland gemeldet, solche Sichtungen kommen, dann müssen wir dem nachgehen und wir gehen dem auch nach, egal wie weit weg es ist. Das ist einfach der Punkt, ihr helft uns am besten, indem ihr Fotos macht, euch den Standort merkt und wenn ihr merkt, dass diese Person vielleicht sogar verwirrt ist, sprich wie im Fall von Düsseldorf mit einem Stein im Wasser tanzt, dann sollte man die Person nicht einfach links liegen lassen, sondern sollte vielleicht auch irgendwie Hilfe dazu holen. Manchmal ist es so, dass die Polizei dann sagt, okay, wir nehmen ihn mit, wir überprüfen das Ganze und wir können dann feststellen, da ist was oder da ist nichts. Manchmal ist es aber auch so, dass die Polizei sagt im Nachhinein, ja, wir können den nicht mitnehmen, der ist klar bei Verstand. Wir wissen aber, der heißt so und so. Aus datenschutztechnischen Gründen darf man es dann natürlich nicht sagen. Aber dann können die Polizisten uns auch glaubhaft versichern, es ist nicht unser Lars. Und wir haben in der Zeit, seitdem wir nach Lars suchen, nicht nur Obdachlose gefunden. Wir haben Leichen gefunden,
Wir haben Leute gefunden, die selbstbestimmt frei leben, sage ich jetzt mal, im Wald leben, die auch seiner Beschreibung entsprachen. Weil dieses blond-braune von den Haaren mit diesem Bartwuchs, mit dem leichten, rötlich-bräunlichen Stich, den er drin hat, das ist nun mal nicht selten. Und Lars hat halt eben keine Tätowierung auf dem Unterarm oder sonst wo, dass man ihn gleich erkennen könnte, die markant ist. Woran man ihn erkennen könnte, wären einfach nur zwei, drei Narben. Aber diese Narben sind bei bestimmten Kleidungsstücken und auch bei bestimmter Gesichtsbehaarung oder langen Haaren einfach nicht mehr erkennbar. Und dementsprechend müsse die Suche aufgrund unseres Profilbildes so allgemein halten, wie es in dem Fall wirklich nur geht, um auch die Reichweite in dem Fall so hoch zu haben, wie es nur geht. Pour que cela soit plus facile pour certains, nous allons vous retranscrire tout ce qui a été dit. Monsieur Andreas Gutting, enquêteur privé, est l'un des rares détectives privés travaillant encore seul. Il nous accorde ici un peu de son temps précieux pour répondre à quelques questions. Quelle investigation avez-vous entreprise dans le cadre de vos recherches? Nous avons tout d'abord, dans cette première affaire, cherché dans le terrain et au plus près de l'aéroport, dans toutes les directions possibles, tout d'abord à pied, puis en avion de tourisme et enfin en utilisant une caméra portée par un drone. Nous avons rencontré un certain nombre de témoins et de bénévoles qui avaient déjà sillonné cette large zone, encadrée par les forces de police, pour détecter toute cache, cavité, infractuosité capable de dissimuler à la vue d'un promeneur ou d'un badaud. Nous avons également mis à contribution un chien de recherche renifleur, auquel il a été donné à sentir une veste largement imprégnée des odeurs de la personne disparue. Si l'animal a bien repéré une odeur et a suivi une piste un certain temps, cette piste s'est finalement avérée infructueuse, s'arrêtant à un point précis sans continuation. Nous avons également eu recours à des porte-voix pour diffuser un message clairement audible et nous signaler à la voix, tout d'abord utilisée par des marcheurs à pied, sillonnant de long en large la zone boisée et structant tous les axes de la zone de recherche puis en véhicule. Ces derniers sillonnaient quant à eux toutes les routes, tous les chemins et les lions traversant la zone boisée. Nous pensions que le son de cette voix lui permettrait de se repérer, de la reconnaître même et de l'identifier. Malgré les premières déceptions face au manque évident de résultats, je n'abandonnais pas. Chaque jour, chaque nuit, je réfléchissais à toute nouvelle investigation susceptible de m'aider et d'éclairer ses recherches et les moyens de la mettre à exécution. Je suivais également, quasiment en temps réel, les avancées de l'enquête officielle, afin de pouvoir intervenir le cas échéant au plus vite, s'il le fallait et si cela se justifiait. Pourriez-vous nous expliquer aussi pourquoi les pancartes et affichettes de disparition que vous aviez mises un peu partout ont été retirées, par qui et pour quelles raisons? Tout d'abord, nous nous sommes heurtés à l'incompréhension des habitants du village qui prenaient cela pour une information relative à un décès et non pas une aide potentielle. Ensuite, les forces de police nous ont contraints de les retirer, notamment celles placardées sur les arbres, arguant du fait que nous commettions une dégradation de l'environnement. Finalement, nous nous sommes tournés vers des moyens légèrement recentrés, comme les flyers à bord des taxis, traduits en langue bulgare, les messages diffusés par les radios et télévisions nationales et locales, les réseaux sociaux, les interviews accordées par nos soins à leurs journalistes, pour diffuser au mieux et à une très grande part de la population le message. Et là, nous nous sommes rendus compte que finalement, et malgré tout cela, certaines personnes en Bulgarie n'accédaient pas à ces informations. Cela arrive bien encore chez nous en Allemagne. Alors, je ne m'étonne pas au bout du compte.
Pensez-vous qu'on puisse dire que les investigations officielles ont été insuffisantes ou n'ont pas été poussées assez loin pour tenter de résoudre cette affaire? Non, je n'irai pas aussi loin, car ce serait une forme d'accusation. Je pense que ce cas est malgré tout complexe et que tout est possible à leur niveau, chez eux en Bulgarie. Mais les relations avec les autorités bulgares n'ont pas toujours facilité un certain nombre d'échanges, cela est clair, et cela m'interroge, car je ne comprends pas. Merci pour cette franchise dans ces explications. Pourriez-vous nous préciser comment, au final, la police bulgare a coopéré avec vous sur le terrain? Soyons clairs, comme ci-dessus, la police bulgare n'a jamais coopéré avec quiconque, donc pas avec nous sur cette affaire. Toutes nos recherches, investigations et démarches sont de notre propre initiative, à l'inverse des pratiques en cours chez nous en Allemagne, où les enquêteurs privés échangent leurs données avec les enquêteurs fédéraux. Ici en Bulgarie, la prescription non limitée permet de garder une enquête en cours et donc non close jusqu'à la découverte de la personne, voire de son cadavre. Tout cela pour vous expliquer que les délais et le degré d'urgence ne sont pas les mêmes que chez nous en Allemagne. Soyons clairs aussi, la police bulgare n'a pas mesuré l'ampleur de la tâche des recherches sur une zone aussi étendue et aussi vaste, avec ses contraintes, ses difficultés, ses handicaps. Quant au médecin, croisé à l'aéroport, qui va se retrouver au centre des recherches et des questions à se poser, il a donné des versions contradictoires aux différentes personnes qui l'ont rencontré. Ce qui est pour le moins ennuyeux, sinon fâcheux pour l'enquête. Son témoignage, relatif à la fuite notamment après l'ouverture par la porte du cabinet, reste pour le moins soumise à questionnement, car paraissant peu crédible et peu conforme surtout aux faits. Je vous fais part aussi de mon étonnement quant à l'effacement bien trop rapide des données vidéo de l'aéroport, car au final, aucune donnée de ce jour-là, aucun enregistrement n'a pu être remis aux forces de police bulgare et allemande, alors que nous savons pertinemment qu'il se trouvait à l'aéroport depuis un moment déjà, s'étant acheté à manger, s'étant même lavé le visage dans les toilettes. Rien donc ne permet de préciser clairement et formellement si un tiers est également entré dans cette pièce ou pas. Des doutes subsistent donc clairement dans la documentation d'enquête quant à la seule version du médecin et de l'appel téléphonique de Madame Mitrova et son contenu exact. Que s'est-il passé alors que nous disposons clairement des certificats médicaux d'agression, de coups, des ordonnances remises en pharmacie pour acheter des médicaments? Nous savons aussi, avec certitude, qu'il a pris la mauvaise direction de fuite et que l'enquête s'est ainsi mal orientée. Quant à l'hôtel, personnellement je ne serais pas allé, en raison d'un certain ressenti d'insécurité aux alentours et même à l'intérieur. Ce n'est clairement pas un hôtel pour touristes isolés. Un camp de gens du voyage agressifs et provoquants. Des immeubles où vit une population plutôt hétéroclite et marginale, complète encore, si besoin était, cet environnement immédiat aux portes de l'hôtel. Nous l'avons vérifié en caméra cachée. De surcroît, la sonorisation de l'hôtel était inexistante. Une expérience faite dans une chambre du troisième étage le démontrant parfaitement. J'y ajoute un net manque d'hygiène basique et un drôle de sentiment quant à l'utilisation de ma carte de crédit. Pourriez-vous nous éclairer aussi sur l'état de santé général de la personne disparue, aux éventuelles pathologies qu'il était susceptible de présenter et sur sa capacité à s'adapter à des environnements différents? Je dois dire que tant que la dépouille ne sera pas finalement découverte, l'espoir reste et les impressions sont différentes. Nous cherchons pour l'instant une personne vivante et nous partons pas encore sur la découverte d'un corps avec des traces et indices de décès violents. C'est le cas en particulier des possibles amnésies confirmées par certains médecins, dont un spécialiste allemand à Berlin. La théorie d'une amnésie survenue post-traumatisme reste donc une piste sérieuse à explorer en cas de découverte du sujet. C'est déjà arrivé, comme à cet Américain qui, victime d'un accident à 16 ans, a oublié son passé, jusqu'à un nouveau traumatisme, à plus de 50 ans, qui a inversé sa mémoire, effaçant le vécu actuel et lui faisant se remémorer des premières années.
jadis oubliée. Merci pour toutes ces précisions, fort intéressantes et souvent méconnues. Aujourd'hui, à quoi devons-nous nous tenir? Où devons-nous chercher? Idéalement, chaque personne qui veut nous aider doit en parler. Continuer à rester concentré sur cette affaire. Faire des photos de ce qu'il pense lié ou utile à l'affaire. À Düsseldorf, comme des tatouages ou des cicatrices, nous transmettent ses propres informations. Toute information transmise est précieuse. Toute information gardée par devers soi reste inexplorable par principe. Soyez convaincus que cela marche dans beaucoup d'affaires déjà traitées. Ne jamais oublier, c'est le plus important dans ces affaires de disparition. Soyez vigilant, une personne sait et parlera sans doute un jour. Selon un médecin, un conseiller en santé mentale certifié qui a couvert la disparition de Lars, Lars n'avait aucun antécédent de maladie mentale. Lars était en très bons termes avec ses proches. Ses amis ont proposé de reprogrammer leur vol pour qu'il n'ait pas à rentrer seul. Et il envoyait un texto à sa mère presque tous les jours pendant son voyage. Il n'y a pas d'accord définitif entre les experts et les membres de la famille quant aux causes du comportement de Lars. La maman de Lars, aux côtés de médecins bulgares et allemands, a soupçonné que le comportement inhabituel de son fils était le résultat d'un effet secondaire rare de l'antibiotique qui lui avait été prescrit. Il s'agit d'une céphalosporine, connue pour induire des effets secondaires psychotiques, notamment des hallucinations et de la paranoïa. Andreas, le détective privé, a vérifié les dossiers de l'hôpital pour les patients sans identification, mais n'a rien retrouvé. Lars avait de l'expérience dans la chasse, la pêche et le piégeage, mais on se demande s'il aurait pu survivre longtemps à l'extérieur en raison de la chaleur intense des étés et du manque de nourriture. La maman de Lars a exprimé sa conviction qu'il est toujours en vie, ayant peut-être perdu la mémoire. En 2016, au Brésil, la police de Porto Velho interpelle un homme qui ne savait pas qui il était. Cet homme n'avait pas non plus de pièce d'identité sur lui. Sur les réseaux sociaux, une photo de cet homme hospitalisé circule. Et des enquêteurs en ligne trouvent qu'il a d'étranges similitudes avec Lars Mittank. Mais après enquête, on découvre l'identité de l'homme. Il s'agissait en fait de Anton Pilipa, un homme porté disparu depuis 5 ans. Et en 2019, un homme apporte un curieux témoignage. Travaillant comme chauffeur de camion, il se dirigeait vers Brandebourg et affirme avoir pris Lars en dehors de Dresde. En effet, son passager ressemblait fortement à Lars Mittank. Sandra Mittank, la mère de Lars, souffre depuis plus de 7 ans maintenant. Elle veut récupérer son fils et elle fait tout ce qu'elle peut. Je vais vous parler de quelques théories en ce qui concerne cette affaire. Vu le comportement bizarre que Lars a eu, on pourrait penser que ça pourrait être dû aux céphuroxines. Mais je doute de cela, car les effets secondaires du céphuroxine sont bénins. Maux de tête, troubles gastro-intestinaux, éruptions cutanées. Mais peut-être aurait-il pu prendre de la drogue, cela pourrait expliquer son comportement. Ça serait possible, car Varna est un haut lieu de trafic de drogue. Lars a en plus très peu mangé pendant son séjour, et la prise de stupéfiants peut couper l'appétit. On peut aussi se poser la question si Lars n'avait pas eu de contusion cérébrale ou traumatisme crânien. Sa blessure à l'oreille était peut-être bien plus grave. Ça pourrait expliquer ses pupilles dilatées, car c'est très souvent lié à ce type de blessures. Et des lésions cérébrales peuvent produire des troubles de paranoïa, psychotiques, idées délirantes et hallucinations. Et effectivement, Lars n'était pas suivi comme il avait dit à sa mère. D'ailleurs, on voit bien sur la vidéo de l'aéroport que personne ne lui court après.
Peut-être que Lars a fait une mauvaise rencontre. Vu son état en partant en courant, il faut dire que la Bulgarie a mauvaise presse à cause de ses réseaux de trafic humain. Rappelons que ce pays est une plaque tournante des filières de trafic de migrants. En septembre 2019, quatre Bulgares dirigeants ou intervenants au sein d'une société ont été poursuivis, notamment pour travail illégal en bande organisée, traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail en bande organisée et association de malfaiteurs. Pour ma part, je pense que Lars a eu une crise psychotique à cause d'une lésion cérébrale et que soit il a eu un accident ou qu'il a fait une mauvaise rencontre. Ou peut-être est-il encore en vie à quelque part, mais amnésique. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'un jour sa famille aura des réponses et qu'il sache ce qui lui est arrivé. Il y a bon nombre de théories sur la disparition de Lars. Certaines vraiment farfelues. Nous allons en évoquer. La première est une rencontre avec des trafiquants. Est-ce que quatre hommes le suivaient vraiment comme il l'avait rapporté à sa mère? Est-ce un rapport avec un réseau de trafic d'organes ou autre? Ou bien ces messieurs en avaient après lui à cause de la bagarre dans laquelle ils auraient été impliqués? Peut-être, mais sur la vidéo, c'est lui qui part de l'aéroport de son propre chef. Et personne ne semble le suivre. La seconde théorie est qu'il aurait eu une commotion cérébrale. Après la bagarre, son cerveau aurait été touché, causant chez lui des hallucinations et de la paranoïa. Les passagers avec qui il partageait son taxi sont formels. Lars avait les pupilles dilatées. Ça s'appelle la madriase et on peut retrouver ce symptôme dans les cas de commotion cérébrale. La troisième théorie, c'est qu'il aurait été tué par un animal. Sa paranoïa l'aurait conduit dans la forêt. Et il aurait été attaqué par un animal sauvage. La zone où il était est une zone urbaine et aucun corps n'a été retrouvé, donc la théorie semble peu probable. La quatrième théorie, c'est qu'il se droguait. Pour la famille, cela paraît vraiment impossible. Ce n'est pas le genre de Lars, mais aurait-il pu commencer à prendre de la drogue une fois sur le sol bulgare? Cela pourrait expliquer qu'il ne mange pas beaucoup, d'après ses amis. Mais bon, devenir accro à la drogue en quelques jours et en être dépendant, j'ai du mal à y croire. La famille a affirmé que les vêtements et autres affaires de Lars ont été testés et qu'aucune trace de drogue n'a été retrouvée. La cinquième théorie, c'est que Lars serait une mule. Ce serait un passeur de drogue. En effet, la Bulgarie a des contrôles aux frontières. Peut-être que Lars était une mule. Mais je ne pense pas qu'il aurait pris le risque de transporter de la drogue. Il avait également un travail plutôt confortable et ce sont en plus ses amis qui l'ont motivé pour cette destination. Même si le comportement de Lars pourrait faire penser à une rupture d'un sachet dans son intestin, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux. La sixième hypothèse serait la schizophrénie ou la bipolarité. Et il y a aussi ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. En gros, le délire peut déboucher sur des comportements singuliers ou inadaptés. Colère, fugue, mutisme. Et les bouffées délirantes sont donc des épisodes de délire survenant brusquement chez une personne n'ayant jamais manifesté auparavant de problèmes psychiques de ce type. En gros, toute la population peut être amenée un jour à avoir une bouffée délirante. Cela pourrait expliquer aussi son comportement. La septième hypothèse est qu'il serait devenu SDF en Bulgarie, une théorie que j'ai beaucoup de mal à croire. La huitième hypothèse est qu'il aurait pu rencontrer l'amour de sa vie et vivre une idylle en Bulgarie. Mais d'après ses proches, ça ne lui ressemblait pas. Lars était quelqu'un qui voulait vraiment garder le contact. Il y a également la théorie du paranormal. Comme dans tout ce genre d'affaires, il y a évidemment des théories vraiment farfelues. La police a surtout envisagé la piste de la drogue, comme quoi Lars serait devenu un drogué et aurait perdu ses esprits, ne pensant qu'à trouver de la drogue le plus vite possible. Ce qui expliquerait pourquoi elle courait. Ses amis et sa famille privilégient plutôt la piste du trafic d'organes, expliquant que Lars ne se droguait jamais et ne pouvait pas rentrer dans cette mouvance. Même s'il était sous la prise d'antibiotiques puissants. Un avis de recherche continue d'être diffusé, une récompense de 40 000 euros est offerte. Ma théorie privilégiée serait que Lars aurait pris une trop forte dose de céphuroxime. D'ailleurs, un des symptômes est la perte d'appétit, ce qui peut expliquer pourquoi l'homme n'a presque rien mangé, d'après ses amis. Il existe aussi pour ces médicaments, qui est donc un antibiotique, d'autres effets indésirables graves, comme des psychoses, hallucinations, états confusionnels. Ça peut expliquer son comportement quand on le voit courir,
comme s'il était poursuivi. Après, pour la suite de son destin, je n'en ai aucune idée. Et la théorie du médicament n'est qu'une théorie personnelle qui n'engage que moi. Je n'ai pas l'habitude pour ma part sur mes vidéos de donner mon point de vue. Mais en faisant mes recherches, j'ai été assez surprise et assez, terrorisée et choquée de toutes les théories qui ont pu être dites. Vous allez peut-être me dire que c'est ma gentillesse qui ressort, mais je pense sincèrement à sa maman et à sa famille, qui doivent lire de temps en temps des théories absurdes et inventées. Je vais vous expliquer très brièvement pourquoi je ne dis jamais mon point de vue sur mes vidéos. Tout simplement que je suis déjà beaucoup la famille, qui connaît parfaitement, en général, la personne qui a disparu. Ensuite, on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et déjà, quand on connaît la personne, on n'a pas le droit de la juger. Donc, je ne peux pas me permettre de dire qu'il était drogué, qu'il était ça ou qu'il était ci. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est que mes vidéos servent, et j'espère, un minimum, pour ne pas qu'on oublie ses disparus. Donc, en ce qui concerne Lars, je vais me permettre de juger, sachant que ça concerne le médical. Je pense pour moi que le médecin a fait une erreur de ne pas lui avoir fait passer soit un scanner, soit un IRM, ou soit même une radio. Je vous parle du premier médecin, pas celui de l'aéroport, pour savoir s'il n'y avait pas autre chose qu'un tympan perforé. Après, pour sa maman, j'espère du fond du cœur qu'il ait perdu la mémoire, qu'il soit amnésique quelque part et qu'il soit toujours en vie. Elle a bon espoir, mais elle a supposé que son fils ne serait pas en bon état de santé. Il a dû devenir mince avec de longs cheveux et une barbe. C'est la fin de cette triste histoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, je souhaite énormément de courage à sa maman et j'espère du fond du cœur que Lars un jour sera retrouvé. Nous voulions vous demander si vous seriez intéressé par un live pour discuter de la disparition de Lars ainsi que des théories. Et surtout, on aimerait savoir votre point de vue. Merci de nous le spécifier dans les commentaires si vous êtes intéressé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous.